bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut voir certaines choses. Et c'est le but, hein. La simplicité dans la vie, hein, ça va de soi. Bon, on va reprendre la route là. J'ai rien vu. Et puis voilà. Vous le prenez à fond, vous décollez. Hein. Double bosse. Hein. Et là, des bonnes bosses. Bon, en passant dans la forêt, j'ai découvert un golf. C'est quelque chose. Hein. Bon, c'est bien tordu et tout. Hein. C'est beau. Hein. Il y a du grind. Il n'y a pas encore de petite voiturette de golf. C'est golf de Lille, je dirais pas où. Bon allez, moi je repars trouver mon arbre. Mon arbre. Vous voyez un arbre comme ça, mais en perpendiculaire quoi. Faut le trouver. Je me suis dit que j'allais pas suivre tout le golf. Hein. C'est des barres quand même. Bon, là j'ai traversé la forêt de Fougères pour arriver sur le chemin de Bernard. Bon là on arrive. Je savais pas, franchement je savais pas. Je suivais le chemin. Je vois quoi, je croyais que c'était un champ même. Mais en fait c'était un putain de terrain de golf. Tout tordu et tout. Enfin bref. Je savais pas. Bon c'est pas des histoires. Hein. Regardez ce que je viens de passer, cet arbre. Je viens de faire du bois en plus. Des petits copeaux, hein. Hop, je passais là, tac. Et là, je continue. Bah ça, les gars, c'est ce qu'on appelle de l'enduro extrême. D'accord? Tout simplement. On dirait que la bécane, elle s'est mise au vert, hein. Et là, pour rejoindre, je savais qu'il y avait une piste. J'accélère, il y avait un fossé. Là, je suis dedans, tranquillement, hein. À l'aise. Je suis tranquillement dans le fossé là, tout va bien, en équilibre. Bon, on va ressortir la bécane de là, et puis on se retrouve sur le chemin. Bang, bang, bang. Vous voyez, là c'est le fossé. Ma bête elle va bien, mon rhinocéros. I love you, il va très bien. Moi c'est pareil, nickel, très très en forme. Et là j'ai créé un chemin. Vous avez direction le golf de Mérigny tout droit. Faudrait peut-être qu'ils changent leur joueur aussi. Bref, pas d'amalgame. Pas d'amalgame surtout. Hein. Et voilà, on y est. Bon, on va continuer à la recherche de l'arbre. Là, quand même. Hein. Et si je trouve vraiment un arbre, bah, je vous dirai pourquoi j'ai pris ce sac-là et tout ça. Allez, à tout. D'eau et ça repart. Encore une vidéo épique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas tout connaître non plus. Hein. J'explore les sentiers. Comment dire? Jamais exploré. Du moins en bécane. À pied, c'est trop simple. Bon, là, vous voyez, on dirait qu'il y a un tigre qui dort ici. Ah, je plaisante. Hein. Là, il doit avoir un petit refuge pour animaux, ça. Vous voyez, moi, je suis pas un mythomane. Il y a beaucoup trop de mythos sur les réseaux. Hein. Il faut croire ce qu'ils veulent. Avec moi, ça marche pas. Eh putain, on dirait que je me suis perdu, il y a une barrière là. Là, je sais pas trop ce que c'est, il y a une barrière là-bas. Bon, on va quand même passer au-dessus de la barrière. Hein. Sinon, ici, c'est pas mal, il y a des arbres qu'il faut. Hein. On dirait qu'ils ont pas envie de me laisser passer. Eh les gars, là. Viens, rejoins le groupe, toi. Oh putain, où elle s'en va. Eh, allez la chercher. Hein. Ben, c'est pas vrai. Groupir, j'ai dit. Viens, petite poule. Comment elle s'appelle? Viens, rejoins-les tes copains. Hey, putain, ils vont tout les sens. Ils sont là, rejoins-les. Moi, je m'en vais. Il y a une barrière, j'aime pas rester où il y a des barrières. Bon, j'arrive face à une barrière. Qu'est-ce que je fais? Je passe au-dessus. Mais j'abandonne pas la moto. Et les animaux, c'est l'heure de se sauver. Hein. Non, ils sont bien là. On peut vite se perdre dans une forêt. Hein. Le problème, c'est que moi, je suis venu de là. J'aurais dû tourner là. Bon bah je vais devoir repasser dans les sous-bois. Bon apparemment c'était une zone pyrotechnique, hein. On est sorti de la zone nucléaire.
Un Apache ne se fait jamais avoir. Bon là, on va changer de bois parce que ce bois-là, il me casse les couilles. Hein. Ils ont tout détruit dedans. Enfin bref. Allez, à plus. Entre amateurs, ils s'amusent bien. Hein. Oui, je suis sorti. Easy, hein. Bon, apparemment, le gardien avait autre chose à faire que surveilleur. Ah, ah, on voit qui c'est les vrais mecs qui roulent, là. Bon, je disais, le garde, il était bien occupé, hein. Putain, heureusement que c'est pas la guerre, hein. Enfin, bref. Site pyrotechnique, hein. Bon, je savais pas, j'ai pas fait attention, hein. Apparemment, les motos, ils volent au-dessus des barrières. J'ai vraiment trouvé un arbre dans une forêt abandonnée et faire la vidéo que je vous ai dit. Allez, à plus. Bon voilà, là on a quitté la forêt de Falampin et ses environs pour un petit bois à côté, pas très loin sur la route. Et du coup là je pense qu'il y aura un peu plus d'arbres non coupés pour que je puisse faire la vidéo. Allez, à plus. Bon là on a peut-être trouvé l'arbre qu'il fallait. Et encore peut-être que je m'avance trop là. Ah putain non. Vous voyez l'arbre là, c'était parfait. Mais attends, je vais vous expliquer, c'est pour mettre des anneaux et pour faire des figures. Les anneaux en bois là, dans tout ce qui est sport de street workout, calisthénique et tout le bordel. Bon, en fait, moi là, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher, maintenant je vous le dis, hein, je suis en train de chercher un arbre assez perpendiculaire, assez courbé, mais qui arrive à tenir, qui est assez robuste quoi. Faut pas que la branche elle se décroche quand je fais une figure. Hein. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau de le faire dans la forêt que qu'accrocher les anneaux au parc où je vais là. Sinon je le fais hein, souvent ça. Mais je me suis dit ouais ça va changer et tout. J'ai déjà fait une branche, c'est beaucoup mieux une branche et puis il y a la nature et tout, c'est beaucoup mieux. Bon bref, on va tourner encore un peu, on va essayer de trouver. Mais là, je crois qu'il y a moyen de trouver là. On va vraiment se remettre vraiment sur les sentiers parce que là, ça casse les couilles. Il y a plein de bouts de gros bouts de bois comme ça et tout. Ça casse couilles. On va rester dans les sentiers, on va trouver un arbre auprès des sentiers, puis voilà. Je suis un vrai athlète, un pur athlète. Il y en a, ils font même pas les trois quarts de ce que je fais, ils touchent des millions. Vas-y, hein, bande de rigolos. Hein. Enfin bref. Bon là je suis sorti des sentiers battus. Je vais aller essayer de trouver un arbre perpendiculaire comme juste là, vous y voyez, mais ça fait un peu trop pour mettre les anneaux. Là on va trouver, mais là je reste sur le chemin, ça fait 2 heures que je tourne. Ça fait 2 heures que je tourne dans les bois, là, dans les sous-bois comme ça. Là, on va peut-être bien finir par en trouver un, allez à toutes. Entraînez-vous toute votre vie pour arriver à mon niveau, je vous le dis. Vous regardez de la salade, qui c'est qui veut de la salade? De la salade pas chère, hein. Hop là. Des amateurs, hein. On n'est pas loin de l'île ici. Même là, c'est des amateurs. Allez, bougez de là. Et je viens de croiser une biche. Juste en face de moi, là. Elle vient de galoper, on est resté 2 secondes à se regarder. Elle vient de galoper, là-bas. Putain, fait chier, je suis dégoûté. Bon, vas-y, c'est pas grave. Bon, après 2h30 de rouler dans les bois, j'ai enfin trouvé un arbre qui me correspond. Là, on va monter les anneaux. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Bah, ceux qui savent, ils savent. Hein. Et on va le mettre là, là-haut. Là, je serai bien là. Bon, je serai un peu perpendiculaire dans les figures, mais c'est pas grave. Et là, je cherche plus, c'est mort. Hein. Et il est bien costaud et tout, c'est bon. Et là, j'ai même plus besoin de faire quelque chose, je suis déjà échauffé. Tu m'étonnes. Hein. Bon là j'installe le matériel. Voilà, on est bon.
Bon là faut bien le décaler quoi. Un peu plus par là, sinon j'ai la figure, elle va pas se passer comme je voulais. Ah, c'est plus une installation, hein. Voilà, là ils sont bien. Là. Je suis encore à... Je vais me mettre ça. Hein. Pourquoi même là-haut hein. J'essaie de le coincer entre la branche, faut bien finir. Voilà, un peu trop là. Là c'est bien là. Voilà.